الحمد لله اليوم دازت المحكمة إن شاء الله من فضلكم وفضل الشعب ديالنا ومغرب المغاربة كاملين تضامنوا مع البنت هذه تضامنوا معها كاملين. دازت إن شاء الله محكمة مزيانة اليوم وتفاجأت بأن إن شاء الله حكم ديالنا ثقتنا في القضاء وثقتنا في القضاء وفي الشعب ديالنا وفي الناس القانون ديالنا وأساسيدة ديالنا وجمعية ديالنا وكاع الشعب ديالنا عندنا فيه إن شاء الله الثقة. الجلسة الأخرى إن شاء الله غيكون البنت غتاخذ حقها إن شاء الله هي وولدها إن شاء الله. لا عمري هذه الفكرة عمرها ما طاحت لي غنزوج، ما يمكنش أنا نزوج أنا على ربعة الناس البنت، ما يمكنش، ما كاينش هادشي لا ديني لا 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 عدليا، ما كاينش هادشي القانون باش يعطي داكشي. بحال النسب راه غادي الناس بغا ينسب بولدو راه غينسب النسب ديال الكنية ديالو، ما بغاوش نسبوه حنايا تنسبوه على راسه. Comme vous avez suivi, comme tous les Marocains et les médias, ils ont suivi le dossier de la petite Sana. Tout le monde était scandalisé par ce dossier, y compris même les gens normaux. Donc c'est un dossier qui a pris beaucoup d'ampleur, mais c'est un dossier qui ne diffère pas d'autres dossiers. Des dossiers pareils existent. Il y a eu pas mal de dossiers concernant les enfants dont les jugements étaient des jugements très, très, très apaisés. Donc aujourd'hui, c'est une occasion. Ce dossier, il a connu une médiatisation, il a connu beaucoup de choses. Donc c'est une occasion en même temps de représenter la petite qui en a besoin. Et que, parce que personne ne peut ne pas être scandalisé par le jugement de première instance. Mais en même temps, dénoncer les insuffisances qu'il y a dans le code pénal, parce qu'aujourd'hui dans le code pénal il y a beaucoup d'insuffisances. C'est normalement les violeurs et toute violence faite aux femmes ou faite aux enfants à titre sexuel ne doit pas bénéficier de circonstances atténuantes. Elle a été reportée par demande du procureur général, parce que nous, on était prêts par demande du procureur général pour convocation de la petite. Il y avait une autre petite fille qui l'accompagnait au moment où elle a été violée, donc de la convoquer comme témoin pour la semaine prochaine. Tout le monde a suivi le premier jugement de première instance de la Cour d'appel. Malheureusement, c'était un jugement injuste. Vraiment, qui a pour nous, elle était en faveur des accusés au lieu d'être en faveur de la victime, une fillette de 11 ans qui est toujours victime de viol et de violence et de menaces par l'arme blanche. Donc la victime est bien sûr sans papa, sans tuteur, à faire recours devant la cour d'appel. Et maintenant, on a passé aujourd'hui la première audience devant la cour criminelle, la chambre criminelle de la cour d'appel. L'affaire est reportée pour la semaine prochaine. On souhaite vraiment que justice soit faite et que cette fillette aura ses droits. Surtout sachant qu'il a un bébé de 1 an et 2 mois, vraiment une situation sociale très délicate.